Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Factor. On se retrouve pour une nouvelle soirée découverte indé. Et on va jouer ensemble à Smelter. Smelter s'est sorti vendredi dernier sur Steam. C'est un jeu qui est développé par XP Games, X Plus Games, pour Dengen Entertainment. Et la proposition de ce jeu, c'est de nous faire revivre les meilleurs moments sur les jeux qui ont fait le mélange plateforme et stratégie dans notre jeunesse. Bien évidemment, il y a des gros relents de Actraiser par-ci par-là. Et on va découvrir ça ensemble, on va découvrir la partie plus, je pense, stratégique que la plateforme, parce que la plateforme elle a l'air sans surprise, mais la partie stratégique, pourquoi pas. Certaines zones peuvent être traversées de plusieurs manières, au moyen de différentes capacités. Très bien. On va se regarder l'intro. Alors c'est un jeu japonais, donc on valide avec la touche B et la touche A ne sert à rien en fait. C'est voilà, c'est le principe de ces déviants du Japon là qui inversent les deux touches. C'est insupportable, je le sais. On le sait tous d'ailleurs. Hein, voilà. D'ailleurs pour ceux qui ont une PlayStation 5, vous pouvez remapper les boutons. Les boutons A et B, ce qui est assez pratique. Jamais Eve n'aurait pu prévoir les événements qu'elle allait provoquer. Adam succombant à l'échante. Aura du fruit défendu après avoir vu son adorateur adoré dévoré, l'intense lumière blanche. Elle vient de chuter dans un interminable gouffre de vide et de ténèbres. Très bien. Enfin, pas des ténèbres totales non plus. Ça serait trop beaucoup trop flippant. C'était plutôt des ténèbres roulettes. Ok. Genre, il fait noir, mais on peut pas un peu comme si on ferme les yeux. Bon, bien sûr, il faut imaginer. Je profite de cette merveilleuse introduction pour remercier Akimine pour son sub, pour son mois de sub. Je te remercie encore. Quoi, comment ça, je digresse, je raconte l'histoire. T'as jamais entendu parler de la narration, toi? Il faut peindre le tableau pour immerger son audience. Et si tu me laissais bosser tranquille, hein? Bon, ok. Bon, il se fatigue pas pour l'intro, hein. Il y a une anime qui tourne en boucle derrière avec un bout de texte. Mais on a eu droit à une superbe cinématique animée. Donc ils sont à moitié pardonnés. À mesure qu'elle chutait, les ténèbres se mirent à luire d'un imperceptible éclat émeraude. Qu'adviendrait-il d'elle lorsqu'elle atteindrait cette lumière? Ainsi débuta son aventure. Et c'est tout? C'est tout? Non, voilà. On pourrait croire qu'il faut passer, mais non. C'est le truc tourné. On peut jouer ou pas? Non, pas encore. Alors, A. Ah, on peut sauter avec A quand même. Quand même. Ok, avec X, on donne des coups de pied. Ça me va. Est-ce qu'on peut s'accrocher aux lianes? Non, on ne peut pas s'accrocher aux lianes. On ne peut pas faire de double saut non plus. Par contre, il y a du air control. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être augmenter un peu le volume. Ouais. Ah, putain de bouton de B. Volume global. Ah ben, volume global. On est à fond. Donc, comme ça, c'est fait. Je sais pas pourquoi il m'avait mis. Allez, on va faire ça. Sélection, retour. C'est mieux là. Vous m'entendez toujours bien? Est-ce qu'on peut s'accrocher aux lianes? On peut toujours pas s'accrocher aux lianes. On ne peut toujours pas s'accrocher aux lianes, j'ai l'impression, non. Tant pis, c'est pas grave. J'imagine que les pouvoirs vont arriver les uns après les autres. Ok, donc là c'est du classique.
Ah! C'est la mort. Hop là. Que se passe-t-il? Ok, sauvé. Est-ce qu'on peut s'accrocher? Non. Je sais pas où on descend là. Ok. Eh oh. J'entends les bruits de pas. Il y a quelqu'un, j'aurais besoin d'un coup de main par ici. Non, du zirme en bois, je le savais. Eh la rôdeuse, ramène ta fraise par ici. En même temps, mais tire-moi de là, vas-tu? Cet endroit tombe en lambeaux et je ne compte pas y laisser ma royale carcasse. Bah ouais, cet endroit est en train de se désintégrer. J'ai plus qu'à faire mes prières, c'est ça? Y'a rien ici. C'est vraiment pas cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? J'ai failli attendre, mais je t'en dois une. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans un endroit pareil, toi? Intéressant, très intéressant. Certains disent que le silence est d'or. Tu peux être richissime, toi, alors. Mais je vais tenter de lire dans tes pensées. Ok, je vois. Je vois que tu es à la recherche de ton petit copain, hein. J'ai bon, je suis sûr que c'est ça. Dis-moi que c'est ça. Je vais prendre ça pour un oui. Oh, mais j'oublierai presque les bonnes manières. Je m'appelle Mel. Smelter. Smelter. Ouais, c'est bien ce ton-là. Pardon, mon vrai nom est archi dur à prononcer. Plein de voyelles et de bruits de gorge. Disons que je suis une sorte d'ange, mais un gentil... ange. Ah non, cet endroit va vraiment s'effondrer. Comment ça se fait d'ailleurs? Bref, vite, il faut qu'on fusitrogne. T'inquiète pas, c'est normal, ne bouge pas. Formidable, j'ai une armure. Je suis méga woman maintenant. Quelle pose, tu respires la classe. Ça me rappelle ma jeunesse. On verra ça plus tard. Explose les rochers et sortons vite d'ici. On n'a pas le temps pour un mode d'emploi d'été, mais on a fusitronnié. Et tu peux à présent me porter. En gros, par ce rituel génial ici, dont mon peuple a le secret, tu n'es plus aussi fragile qu'avant. Tu vois, des décennies auparavant, quand mon peuple... Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? On n'a pas vraiment le temps pour l'interdit de nostalgie. C'est pas mal, ça. On doit se carapater d'ici avant que cet endroit devienne notre tombeau. Tu vas devoir apprendre sur le tas, l'ami. En avant. C'est pas mal, ce truc un peu... D'accord, elle a un coup comme ça. Cette façon moderne de voir les twists de jeux 16 bits, c'est pas mal, en fait. Alors, RB. Ah oui, d'accord. Très bien. Ok. Je sais pas s'il y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait de dose de cooldown en fait. Ouais non, j'ai pas l'impression. Alors... Ok... Wow. Je sais pas si je peux les cancel en passant à travers. Faut que j'essaye ça, c'est le prochain... Prochain ennemi, voir si je peux passer au travers. Ah, je peux pas par contre... Non, je peux pas passer à travers. D'accord. Je peux pas sauter et dasher en fait. D'accord. Ah. Avec L1, avec L, oui L1. Je peux faire ça, c'est étonnant. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça, mais bon.
Ah, rends l'argent, Bilou, bah oui. Merci, Kimin. C'est ton deuxième mois d'abonnement. Formidable. C'est un de ces anciens magico-trucs. Je crois qu'on les appelle des respawn. Ça sonne bizarre. Bref, ça me revient. Essaye de les smelter. Alors, pour les smelter, la capacité smelter permet d'interagir avec certaines choses qui dégagent un halo vert. Les ennemis peuvent aussi être smeltés lorsqu'ils sont entourés d'un halo vert pour obtenir des PV. D'accord. Si tu vois quelque chose qui dégage un halo vert, essaie de le smelter. Et ben, on va essayer de le smelter. Bravo, t'apprends vite. Vers l'infini et en avant. Donc ça sert à ça, à récupérer les PV. Aïe. Bon, eux, ils dégagent pas de halo vert, a priori. Comment on se retrouve, mon plus fidèle ennemi? Un blob. C'est le moment de montrer toute ma puissance. Approche-toi un peu que je leur fasse goûter mon smelt lame. Ça pète comme non, tu trouves pas? Je m'occupe du reste. Alors, essaie d'appuyer sur le bouton de la smelt lame et de leur montrer qui c'est la patronne. Chaque fois que la jauge de smelt énergie est pleine, peut exécuter une attaque puissante. Chaque smelt lame coûte 3 barres. Ok. D'accord. Donc, Y. Ok. On a atteint la sortie. Je vais en profiter pour boire mon café. Tout ça grâce à moi. Les terres caoteuses. Très bien. Peux accéder au glossaire et le menu pause. Très bien. Ah ben voilà la partie jeu de stratégie. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la destination. Bienvenue dans les terres caoteuses. Elle est en train de prendre un bain la petite. Bienvenue dans les terres caoteuses. Maintenant qu'on a fusitronné, tu vas pouvoir m'aider. En retour, je t'aiderai à retrouver Adam. Mais d'abord, laisse-moi te montrer mon magnifique empereur. Oh, faut que ce soit passé ici. Mon cœur est toujours là, mais où est passé le reste de mon empire? Commandant Zirma. Votre détestabilité, vous êtes de retour. Comme tu vois. Et je suis sûr que je vous ai terriblement manqué. Absolument, votre seigneurie. En attendant, qu'est-ce qui est arrivé à mon empire? Parle. Bienvenue, Shrevik. Shrevik? Shrevik. Bien sûr, votre précieux cœur et les structures proches de tout ont été détruites. Le Hermé a fait tout son mieux pour repousser l'ennemi sans succès. J'espère que ma seigneurie est un plan infaillible pour nous sortir de cette désastreuse situation. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, et eh ben c'est à nous de jouer. C'est à nous de se dégourdir un peu les ailes, de m'occuper de cela. Alors, ça marche comment? Livrer bataille, on va essayer avec. On va essayer avec le stick droit. Ok, d'accord. Donc, c'est un shmup. C'est un shmup entre guillemets classique. Hein. En fait, ceux qui ont joué à. Regardez-moi, c'est un partenaire pagaille. Ceux qui ont joué à Act Treasure s'y retrouveront. Hein. C'est la partie shmup de Act Treasure, mise au goût du jour. Hein. C'est plus fluide, on se déplace pas par case, mais c'est plus agréable pour tirer. Alors, mes excuses, Seigneur. Encore une fois, comme on ne peut pas déplacer votre présence. Vos irmes me sont perdus sans vous. J'aurais juste moi-même ces pleubs dans le Lohan Gravis, ce n'était pas déjà fait. Ils ont détruit les chaumières et cette caserne à cause des murs meilleurs. Effectivement. Oui, votre grandeur, toutes mes excuses. Nous autres Zirm adorerions célébrer nos émouvants entrepreneurs, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Vous avez raison, commandant. Il est temps de remettre cet endroit sur pied. Je dois réparer ces bâtiments, mais pour ça, je vais avoir besoin d'hélium. Ah, pour obtenir l'hélium, il faut que j'en récolte. Et quand je dis je parle bien sûr de mes Zirm foireuses. Approchons-nous de cette fissure là-bas et affectons-y une Zirm foireuse. Donc, oui, c'est vrai que c'est. Alors, je sais pas si vous vous rappelez l'Act Treasure, mais c'est vraiment des déplacements assez rigides. Là, on peut aller dans toutes les directions possibles. On peut tirer aussi pareil dans toutes les directions possibles. C'est beaucoup plus agréable. Après, on a toujours ces systèmes de cases, de cartes en cases. Ça, on retrouve le principe, quoi.
Alors, affecté. Donc là, on a cette, voilà, on a les travailleurs qui bossent. Trouve d'autres fissures à travers les terres caoteuses. On va y affecter des irmes foreuses. Ah, le parti traduction FR est un peu foireuse. Il faudrait bien les protéger des méchants qui rôdent dans les environs. Une petite réserve des liens. On va pouvoir réparer ces bâtiments. Alors, réparer les structures, d'accord. Bon, ça a l'air simple. Je répare avec quoi? Avec RB. Ouais, c'est ça, je lance avec RB et c'est parti. Mon kiki. Réparer la caserne et les chaumières. D'accord, et puis mon hélium, il est automatiquement machiné par eux, donc c'est bon. Commandante, oui, votre majesté, maintenant que j'ai gracieusement sauvé les meubles et réparé les bâtiments que vous avez lamentablement échoué à protéger pendant mon absence, je suis sûr que les irmes sont prêtes à reprendre le travail. Bien sûr, ils attendent vos ordres. C'est ce que je voulais entendre. Je vais maintenant affecter les irmes à cette caserne et les préparer à combattre pour moi. J'ai... Où sont mes irmes? Ah oui, d'accord, ça c'est la map. Où ils sont? Je vois pas où sont mon... Où est mon compte de irmes en fait. Alors... D'accord. J'ai 3 irmes. Ah ben voilà, ils sont là. En fait. Après, je vais devoir en créer d'autres, j'imagine. Quoi encore? Tu vois pas que je suis au milieu d'un tutoriel, là? Et salut, Morge! Mais est-ce que je voulais juste vous informer que pendant votre absence, nous avons réussi à nous frayer un passage dans Gumbor. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Vous aurez quand même réussi à faire quelque chose de bien pendant que j'étais pas là. Votre Altesse est trop bonne. Nous allons aussi confirmer la présence d'une pierre d'Oma à l'intérieur. Tiens donc. Nous pensons que retourner la pierre d'Oma permettrait de faire tomber la barrière qui bloque l'entrée du Gurmin Gourabi. Mais au mieux. Alors c'est plus qu'à aller chercher cette pierre. Et je pense que c'est là qu'on va reprendre la partie platforming. Il restera plus facile que de trouver ton homme. Fais-moi confiance. Reste ici, commandante. Nous allons explorer Gumbor et trouver cette pierre. Oui, votre seigneurie. Donc c'est ça, voilà. Les terres caoteuses ont un nom officiel, mais ça n'intéresse pas ces smelters pour qu'ils s'en souviennent. Merde, le terrain d'entraînement. Ah, Gumbor, ça faisait longtemps. Autrefois, c'était un terrain d'entraînement pour les forces Gorabi. Son défi principal était constitué de ces petits trucs qu'on appelle des blocks. Bloxers. Bref, peu importe leur nom. Et on a de la chance, on dirait qu'il en reste encore dans le coin. On va aller les saluer à la smelter. Nous devons aussi trouver la pierre d'Uma Gourabi. Il devrait se trouver quelque part dans le coin. Alors. Ah bah je dois te parler des forges. Tous les domaines en sont équipés, tu n'habilites pas tout ce que je peux accomplir en absorbant le pouvoir. Essaie de sauter sur celle-ci pour voir ce qui se passe. Une seconde. Wouhou, boum, t'as senti ça, le pouvoir de la forge coule en moi. Ça te fait sentir au top de la forme. Essayons de trouver d'autres forges pendant qu'on cherche cette pierre. Ah, et le prochain truc qui bouge, qu'on voit, on va tenter un petit coup de fouet. Quelque chose me dit qu'on est capable d'infliger bien plus de dégâts maintenant. Ah, donc la forge doit permettre de récupérer des capacités. Donc, arbre des capacités, séisme, islam, uppercut. Il attaque vers le haut, brise face, déverse une rasade de poing et frappe jusqu'à 3 coups d'affilée, c'est pas mal ça. Séisme, frappe le sol pour montrer à tout le monde qui est le patron. Ah ouais, ça c'est cool aussi. Maintien bas et appuie sur X, ça c'est 3 fois X et ça c'est O et X, d'accord. Est-ce que c'est déverrouillé? C'est déverrouillé je pense. Donc c'est déverrouillé avec les forges, ça doit être ça hein, j'imagine. Gourabi. Ah oui d'accord, il y a plein de... Il y a trois arbres de capacités différentes, j'imagine. Ok. Eh bien, continuez, c'est parti. Alors. Ok, bon. Je m'entraîne, hein. Je m'entraîne, je regarde ce que ça vaut. Bon, après, le problème, c'est que le rayon d'action, il est vraiment...
Il est vraiment très petit, c'est pareil, le percute, il a pas l'air de faire bien mal quoi. J'aime bien le monster design, là, l'espèce de cow-boy, c'est rigolo. Ah, d'accord. Ah, ça, on doit pouvoir s'en servir en fait. Ah, cool! D'accord, ok. Donc, il y a vraiment. On peut jouer avec l'environnement aussi, c'est sympa. Puis en plus, je suis au max de mon énergie. C'était quoi déjà pour utiliser? Ah, oui, c'était le LB. Oui, c'est ça. Ok. Hop. Tu as trouvé un trogne de pommes. Récupère les trognes de pommes et utilise-les pour augmenter le niveau de cœur de smelter, obtenir des bonus supplémentaires et améliorer tes bâtiments. Super. Hop là. Oh non, les crétins. Ah bah, super, une forge. Encore une autre. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré comme pouvoir cette fois-ci? Les jambes sont aussi légères que le vent. Essaye un peu de sauter jusqu'à ce rebord. Nouvelle capacité d'écouler, débloquer, décollage, agrippe mur, peut s'arrêter. Ah ça c'est top ça. RB en glissant le long d'un mur, ok. Et ça... Ah cool. Ok. Allez, voyons voir ça. Ok, d'accord. Et c'est indéfini, hein. Ouais, c'est indéfini. Ah! Non, un copier-coller de Megaman. Mais ça a l'air chouette. Et bonjour, même si je vais pas rester longtemps. Eh ben, salut Frostis. Alors, c'est plutôt un copier-coller de Actraiser. Je sais pas si tu te rappelles de Actraiser. En fait, c'est vraiment assumer le mélange plateforme et stratégie, en fait. Oh. C'est quoi déjà le truc pour... Je me souviens plus de... Option... Smelt lame, ouais c'est bien Y pourtant. Ah il doit falloir le laisser appuyer en fait. Il y a une construction de village. Ouais il y a une construction de village, ouais. Il y a à la fois l'espèce de shoot them up léger sur la map et la partie construction de village, gestion de ressources. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très ressemblant en fait. Wow. Voilà. Un pic. Aïe. Ah bah je vais récupérer ma vie ici. Oui. Voilà.
Cool, ouais, en effet, c'est pas moche. Et c'est pas moche du tout. Ouais, en effet, je trouve que ça a vraiment de la gueule, en fait. C'est assez surprenant, quoi. Donc, c'est un jeu qui est développé à Osaka, pour la petite info. C'est développé par un développeur indé japonais. Donc. Je sais pas ce qu'il y a de. Je sais pas ce que ça fait ça en fait. Ah, il y a un truc là. Là, il y a un truc caché. Et oui, il y a un truc caché. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est la partie d'un tout. Très bien. Je n'ai rien mis tel auparavant. Je me demande ce que représente cette étrange écriture. En fait, la traduction FR est bonne. Graphiquement, je trouve que c'est vraiment mignon. La musique, elle est entraînante. Le gameplay est sympa. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est vraiment du tout bon, quoi. Bon, ça, c'était de la vie, j'imagine. Si c'est des ressources pour mes minions, ça ou pas, je sais pas trop en fait. C'est juste dommage qu'on puisse pas dasher en l'air en fait. Ok, ça marche. Eh ben, bon app. Ah, top. Qu'est-ce que j'ai débloqué là? Oh! Ne te fais pas repérer. Ah, d'accord, ok. Oh non, mais sérieux, c'est quoi le timing de ouf là? Ah, mais oui, mais. Ah! Ah non, je vais pas le refaire en entier là. Pas possible en fait. Non mais il y a forcément un truc en fait. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, ok. Évidemment. Oh merde! C'est tendu, mais tendu comme un sting. Oh là 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 là! C'est super chaud en fait. C'est vraiment à la milliseconde près quoi. Ah mais j'y arriverai pas. C'est pas possible.
Je ne comprends pas, en fait. En fait, le problème, c'est que je peux pas dasher de l'autre côté, quoi. Ah non. Mais, bon, allez, j'abandonne. C'est bon, là. Je suis pas passé mon heure de stream là-dessus. Je vais chercher un peu de vie. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas dasher en l'air en fait. Parce que du coup le dash il est pas inutile mais presque quoi. Oh. Ok. C'est vraiment dommage en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué comme compétence ici? J'ai un corps de pierre. Hein. Je peux en être rendu encore plus épaisse. Tu seras un peu plus long, mais je pense qu'en laissant, on pourra mieux résister aux attaques. D'accord. Alors, voyons voir. Patouche, corps de pierre. Donc, enveloppe le corps d'une couche rocheuse pour la rendre bien plus lourde. Puis le bon moment où un projectile touche pour annuler les dégâts. D'accord. Hop. Non ! C'est pas ça que je voulais faire. Alors, maintenir B plus ça, ok. Ah non! C'est horrible. Ah, là, on aurait pu y accéder, mais. Est-ce que j'ai envie de m'enquiquiner avec ça? Là voilà, la pierre d'Oma. Ok. Oh. Qui es-tu toi? Détective Kloss. Ah, te voilà enfin. Et oh, surgis pas comme ça devant les gens, j'ai failli avoir une attaque. Qui peut... Tu es bien être. J'observe pendant tout ce temps. Ça n'est pas du tout glauque, sans compter que ça répond pas à ma question. Le temps des réponses viendra. Je sais que tu es ici pour la pierre d'Oma, Gorabi, et je n'ai pas l'intention de t'arrêter. Retrouve-moi à l'extérieur, au nord, une fois que tu auras fini ici, je t'y attendrai. D'ici là, ouvre l'œil.
Très bien, c'est pas du tout chelou, mais comment est-ce que cette corne arrive à le porter? On verra plus tard. Bref, obtenir cette pierre va nous permettre de le transformer, même en dehors du domaine Gorabi, pour nous permettre de faire plein de choses. Les possibilités sont infinies, en portant là et sortant vite. On dirait que ça a déclenché quelque chose. Partant ici, annoncer la bonne nouvelle. Et ben voilà! Trognon de pomme 2 sur 3, gisement de minerai 1 sur 2, épreuve trouvée 1. Ah oui, il y a quand même 3 épreuves cachées dans le truc. Votre seigneurie, à quoi tu ressembles toi? C'est trop bizarre en fait. Je suis au regret de vous informer que la petite chose verte a échappé à Goombor. Alors il est de retour. Ok. Smelter a besoin de deux types de minerais pour améliorer ses structures, ainsi que pour débloquer de nouvelles capacités élémentaires pour les fameux vert et jaune. Et donc, l'obélisque des épreuves est de nouveau fonctionnel. On peut l'utiliser pour retourner rapidement à toutes les épreuves qu'on a déjà trouvées. Ah d'accord, ok. Sans avoir à refaire le trajet. Ok, bon. Classique. Vincent, les sorties sans trop de problèmes. On a même réussi à mettre la main sur la pierre d'Oma. Pas mal, non? Bon retour parmi nous, Seigneur Smelter. Commandant, j'ai rapporté la pierre de Noma Gorabi. J'attends vos citations. Veuillez ici sur votre seigneurie. Merci pour votre spontanéité. J'ai aussi trouvé des minerais Gorabi. Excellent, votre verdâtreté. Nous pouvons reprendre l'expansion de votre empire maintenant que vous êtes là pour nous guider. Vous m'ôtez les mots de la biche. Rappelez-moi de dégoûter d'autres types de minerais dans les domaines autour. Ok. J'oubliais, commandante. Oui, votre seigneurie, vous n'aurez pas croisé un énorme type mi-buff, mi-hibou qui se prend un peu trop au sérieux pendant mon absence, par hasard. Non, votre seigneurie, ça ne me dit rien. Par acquis de conscience, voyez donc quelques éclaireurs dans le domaine Gorabi faire quelques recherches dans les environs. Ils traînent peut-être dans le coin et je n'y ai pas mis les pieds depuis des années. Qui sait ce qu'on va y trouver? Comme si c'était fait, votre seigneurie. Donc, pendant qu'elles sont occupées, on va étendre mon territoire et faire de la place. Voilà, ok. Je peux annexer les terres connectées horizontalement ou verticalement à mon territoire. La parcelle de terre près de la caserne a l'air parfaite. Annexons-la. Maintenant, le bouton étend jusqu'à ce que le territoire commence à s'étendre. Alors, on va aller déjà voir là. Obélisque connecté à différentes épreuves. Ah bah là, on peut rien faire dessus pour l'instant. J'imagine que... On est bloqué là-dessus. Donc on va étendre le royaume. Ici aussi. Est-ce qu'on peut créer des trucs maintenant? Maintenant ma partie préférée, la construction. Ah ben voilà, nickel. Et salut Kirkcrown House. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est bon? Salut Kirkcrown House. Je peux construire des trucs sur les nouveaux territoires vides. Envoyons quelques herbes construire une chaumière. Hello Kirkcrown House. Sélectionne le nouveau territoire, puis chaumière, et maintenant le bouton action pour lancer la construction. Donc, alors, on le sélectionne. Et ben pour l'instant, j'ai que celui-là. Donc, ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pomme tuaire qui augmente le stock de pommes. La caserne, donc on en a déjà une. Une tour de garde. Et ben voilà, la chaumière. C'est parti. Ça construit. Très bien. Revenons Zirm. Oui, votre serviteur. D'autres de nos compatriotes doivent arriver si peu. Soyez prêts à les accueillir. Compris. Qu'en reste-t-il à faire? Votre scénario, si je peux me permettre, ne serait pas le moment idéal pour expliquer le délicat équilibre entre votre population et sa production de pommes? Bonne remarque. C'est un peu complexe, alors ouvre bien tes oreilles. Bon, c'est à mon avis, c'est assez simpliste. Hein. La population change quand tu affectes ou renvoies les IM quand tu construis des chaumières. Surtout la VSC de chaumières et surveille ta population. Voilà, classique quoi. Production de pommes, ça c'est la production de pommes de l'Empire. Nombre de pommes maximale, augmente la production de pommes. Les IM des pommes, les pommes tuaires ou travailler les IM augmente la production de pommes. On est plutôt simpliste là pour l'instant. Maintenant qu'on a fini de voir les bases, voyons voir comment tout fonctionne. Tout simplement en construisant un pomme tuaire. La case vide là-bas, hop. Maintenant, sélectionne la pomme tuaire. Tout à fait.
sélectionner le bouton action et lancer la construction. Et ensuite, on va pouvoir lui octroyer des herbes. Quel magnifique édifice, je peux me permettre ainsi. Je vais affecter des herbes pour travailler dans le pommetier afin d'augmenter notre production de pommes. Je peux affecter des herbes à toutes les constructions qui ont des emplacements pour des herbes affichées au-dessus du bâtiment. Alors, affecter des herbes ici. Donc, il y en a un qui va arriver, tranquille. Et ici, bah, ils vont. Quand il y aura des pommes, bah, ils vont automatiquement. Voilà, l'augmentation de bonhomme va permettre aux chaumières inactives de produire plus de zirmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une mauvaise gestion peut entraîner une famine, une surpopulation. Jette un œil à une autre fantastique présentation réalisée par votre serviteur. Les zirmes morts de faim. S'il y a trop de zirmes par rapport à la population de pommes, une crise de logement, est-ce qu'il n'y a pas assez de chaumières pour héberger les zirmes? Les zirmes finiront par pouf disparaître s'ils ne sont pas affectés. Ok. Maintenant que ces menus des aides sont grincés, il est temps de continuer à étendre mon empire. La question est par où commencer? Votre majesté, puis-je suggérer humblement de poursuivre notre expansion vers le nord au sein du domaine Gourabi? Donc les Rosviettes de revenir ont découvert ce qui ressemble à des ruines anciennes. Cela peut être de nature à vous intéresser. Ça m'intéresse tellement que c'est exactement ce qu'on va faire. Ah non. Bon, il n'y a rien ici. Hein. Scellé. C'est scellé pour l'instant, ça. Donc on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On va s'étendre. Alors, comment je peux accéder à ce truc-là, en fait? Il y a un colline for two, mais je peux pas y accéder tout de suite. Il y a ceci qui va m'intéresser. J'aimerais pouvoir m'y mettre, mais je sais pas comment faire pour m'y installer, en fait. Ces ruines ne payent pas de mine. Tant qu'on ne sait pas plus, laissons-les de côté. Très bien. Mais il faudrait probablement enfin des. C'est plus. Anticipons en construisant une autre chaumière sur l'un de mes nouveaux territoires pour produire plus de zimes. Voilà. On ne produit pas assez de zimes pour le moment, il nous faut un pommetier supplémentaire. Bien, je ne puis qu'à affecter une zirme. Et hop! Tada! Production de pommes RS. Installons des moyens de défense dans cette zone. D'abord, je vais construire une caserne très efficace pour se défendre contre les ennemis au sol. Et voilà, et je vais pouvoir y affecter 3 zirmes dessus. Je peux pas affecter des gens là. Vraiment, je suis en mode tutoriel à fond là. Il me laisse vraiment pas libre de mes actions. Ok, maintenant remplissez-moi ce bâtiment plus vite que ça. Donc là, il va s'en construire, j'imagine, tout seul. Ah non, ils arrivent, d'accord, ok, ils sont là. Donc il y en a vraiment un nombre limité. Ok. Je sais devoir défendre mon empire efficacement. Votre scénario des forces ennemies approche. Que voulons-nous faire? On va les renvoyer d'où ils viennent. Aux armes. Ok. Ça arrive à l'infini ou quoi? Mon petit dominique, on ferait mieux de remettre de l'ordre dans son empire avant de continuer. Construisons un peu plus de structure. Est-ce qu'on peut réparer ça? Oui. Alors ici, on va affecter un mec pour produire des trucs. Ici, on va faire une tour de guet. Ah, je peux pas? D'accord, je dois étendre là d'abord. Ici, on va mettre une. Construire deux chaumières. Ben, j'aurais bien aimé la construire ici, mais bon. Le truc de pomme, on va la mettre là, peut-être.
On dirait que notre production de pommes est au ralenti, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un magnifique pomme d'Asile là-bas. Annexons-le pour récolter plus de délicieuses pommes et nous pourrons ensuite apporter les touches finales à mon empire. C'est ce que je voulais faire dès le début, hein. Évidemment. Ok, ça m'ajoute 5 pommes. Ici. Une tour de guet. Tour de garde. Je peux pas l'affecter. C'est vraiment le... Je suis en mode téléguidé, quoi. Oui. Ok. Il semblerait qu'au cœur de la bataille, mes éclairs aient aperçu l'individu mi-buff, mi-hibou que vous recherchiez. Ah! C'est bien lui. On le voit pas souvent de voyageur par ici, je n'aime pas beaucoup ça. Ma curiosité me permet. Mais bon, smelt cerveau, dépéri dans la torpeur de l'ennui. Allons voir ce qu'il veut. Mes hommages, petite chose verte. Remarque performance à Gumboard, dois-je dire. Vous savez, je ne crois qu'il y ait belle ou de moins belle performance. On a foutu un beau bordel. Tu botes les mots de la babine. Le domaine Gorabi mérite toute la malchance du monde. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon peuple a subi des changements et des événements récents du domaine Gorabi. Ils sont pour quelque chose. Je vois tout à fait ce que tu ne veux pas dire. Mais ça n'explique pas ta présence ici si tu commençais par ça. Je suis un chasseur de l'ombre. Kezako. Bon, un détective privé. Non, Klaus. Détective Klaus. Oh. Et que peut faire mon royal séant pour toi? Dans ton but, j'aime ça. Tu vas chercher des runes dommages, j'ai cru comprendre. J'ai bien cru. Alors on peut dire que nos objectifs concordent. Je dois pénétrer plus profondément au sein du royaume Gorabi. Il y en a là-bas. Mais sans runes dommages, impossible de traverser la porte runique qui bloque le passage. Mes sources disent qu'il y a une rune dommage se terre au sein de la colline Fortou que nous apercevons là-bas. Hélas, une barrière protectrice l'entoure et nous empêche d'y entrer. Je t'ai observé à Gumboard et dans la bataille tantôt, et je pense que toi et tes armes pouvaient m'aider. Ces ruines là-bas étaient autrefois connues pour générer un grand pouvoir. Annexe les ruines et affecte-y tes armes pour canaliser toute leur énergie. Ça devrait suffire à faire tomber la barrière. Ça a l'air barbant comme tout, mais j'ai rien de mieux à faire. Merci l'ami. Oh, encore une chose. Qui sait qui se produira quand tes armes entreront dans ces ruines? Il serait judicieux d'élever plus de défense dans la zone juste au cas où. Merci du conseil. Bah, de toute façon, plus de défense... Ah si, je peux. J'ai pas plus de défense pour l'instant, donc... C'est bon? Ok. Affecte les armes. Ah! Super, il y a de la vie là. Renvoyer les armes. Bah non, je veux pas les renvoyer, non? Ah, par mes amis, embuscade, je dois protéger mes irmonettes. Commandant, dirigez la défense, à vos ordres. Protégez les ruines de vos vies, mes sœurs. Eh, mais c'est que vous faites mal, là, les cocos. Oh non! Non, c'est pas ça que je veux. Ils font super mal, ceux-là. Ici, je veux construire une tour de garde.
C'est bon là? Impec. Pierre Clamera est exprimé dans quelques temps. Elle nous donne bien ça. Je suppose oui. Mais c'est pas ta garde pour autant. Je ferai de repasser par le QG avant d'entreprendre l'exploration des collines. Nous croiserons peut-être là-bas, si les vents sont favorables. Reste-tu tes gardes malgré tout. Les collines hurlent le plus fort dernièrement et les ennemis n'en resteront pas là avec ton empire. On gardera les yeux ouverts. À la bonne heure et à la prochaine. Ok, bon, plus qu'à faire ce que nous a demandé le gros monsieur et frayer un chemin dans les collines. On va quand même. Ok, on est bon là? De toute façon, je pense qu'eux ils vont arriver à Ad Vitam en fait. Donc, bon. On va y aller direct. Salut Crime! Améliorer le cas maintenant, des améliorations, bien sûr, ok. Bon, bah, cette petite partie gestion était bah, bien sympathique. Hein. D'accord. Oh non mais pourquoi je fais ça? C'est le truc Adam et Eve qui mélangent les... C'est exactement ça. C'est le hack tracer lac. C'est le hack tracer like développé par les Japonais. Ok, donc toi tu te transformes en bombe. Hop. Écoute, pour l'instant, ça va, ça a l'air... Pour l'instant, ça va, c'est plutôt pas mal, en fait. Ok. Par contre, j'aimerais bien trouver une source de vie dans le coin, ça serait cool. Voilà. Sache que tu m'as fait acheter un jeu, monsieur. Ah ! Quel jeu je t'ai fait acheter ? Toi, je sais ce que quel jeu tu as acheté. Tu as acheté Journey Boy Comics Tax Evasion. Non, même pas. Ah merde. Putain, la vache. Je peux donc me considérer comme un influenceur, la vache. Ah, ok, d'accord. Alors, je, non mais j'avance en te regardant le chat. Alors dis-moi, quel jeu je t'ai fait accès? Mon GOTY 2020. Desperados 3? Ou le jeu anglais, là, le jeu d'aventure? Ça y est, j'ai... ça y est, j'ai un... Comment dire? Oula, demi-tour. Lair of the Clockwork God, voilà. Et écoute, est-ce qu'il est pas génial ce jeu? Franchement. Est-ce que ce jeu n'est pas un petit bijou et que tout le monde devrait y jouer? C'est... Enfin, voilà. Tu l'as pas commencé. Mais écoute, bah, voilà, moi pour moi c'est un bijou ce jeu en fait, vraiment. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus de tests de ce jeu-là, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un petit bijou quoi. Ne te fais pas toucher, d'accord. Bah, voilà. Et d'ailleurs, si vous aimez les jeux d'aventure, Lair of the Clockwork God, c'est un mélange de jeux de plateforme et de jeux d'aventure, et c'est
c'est brillant en fait. Merde. Hop. C'est quoi déjà, c'est ça? Ok. Je l'accepte. Non mais vraiment, enfin ce jeu-là, moi, il m'a marqué. C'est... Et tu vois, c'est triste à dire, mais j'ai pas eu de jeu qui m'a marqué encore en 2021 comme en 2020, quoi. Et c'est dommage, hein, mais il n'y a pas eu. Alors je sais pas si je suis un petit peu blasé de cette année un peu compliquée, de l'année dernière un peu compliquée. Je vais juste mettre en pause pour lire le chat. Je finis un jeu avant Flood of Fight. Ok. Mais en fait c'est ça, moi je suis un peu déprimé parce que les jeux auxquels je joue... Bon alors celui-là, bon, c'est le contre-exemple parce que pour l'instant il est assez sympathique. Mais les jeux que je teste cette année, mais c'est pas vrai quoi. Il y a vraiment... S'il y a... Voilà, y a, je sais pas. C'est vraiment le ventre mou... c'est vraiment le ventre mou de l'indé, quoi. Et franchement, en dehors de Don't Forget Me, j'ai pas souvenir de grands jeux que j'ai testé. Bah pareil en fait, bah il y a eu Hitman 3 en janvier, mais depuis Hitman 3, y a rien quoi. Enfin, moi je trouve que... Et pourtant, tu vois, bon, je suis pas... Je suis client quand même de ce genre de truc, mais je sais pas. Et merde. On va passer à autre chose. Donc voilà, alors là j'espère que c'est la saison des jeux qui va arriver. Je sais que là il y a Returnal qui arrive. Et j'espère qu'il va être bien. Donc là il arrive vendredi, j'ai hâte d'y jouer. Et je pense qu'on en fera peut-être en stream vendredi soir. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le genre? On a. Oh putain. Oh là. C'est la mort. Qu'est-ce qu'on a? Alors je mise aussi sur Famicom Detective Club. C'est vraiment... je pense que j'ai besoin de ce genre de jeu. Là. Cette année-là. En ce moment, j'ai vraiment besoin de ce genre de jeu. Je pense qu'un jeu à histoire... Bon, moi j'avais commencé le jeu, mais c'était à l'époque en jap parce qu'il n'y avait pas de traduction anglaise, donc j'y pipais rien. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. C'était à l'époque où je testais un peu toutes les ROM SNES dans le désordre. Et voilà. Donc j'espère qu'il va être bien. Voilà, je suis déjà préposé au test et j'ai hâte de m'y mettre. Donc en mai, qu'est-ce que j'ai ça? Bah, j'aurai pas Deathloop parce que Deathloop ne sort pas en mai finalement. Et puis à la fin du mois, il y a un jeu qui me titille bien parce que j'avais aimé leur précédent jeu. C'est le nouveau jeu de du studio du créateur de Danganronpa. C'est World's End Club. J'ai hâte de voir ce que ça donne et je suis très mal barré là. Oh non! Sérieux? Ouais, World's End Club, qui est déjà sorti sur iOS, mais c'était pas la vraie sortie parce que c'était. C'était une version à moitié finie, comme la version de Shantae qui était sortie sur iOS. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage que Apple Arcade on tolère des jeux qui sont à moitié sortis. C'est pas le premier qui fait le coup, en fait. De sortir une moitié de jeu, et puis voilà, et puis tant pis pour ta gueule, quoi.
Donc, enfin, les clients Apple Arcade, ils sont vraiment pas bien considérés. Je trouve ça dommage en fait. Oh là là. Ouf. Je sais même pas comment j'en suis sorti vivant de ça. Voilà, donc j'espère que ça sera bien. Voilà, et puis après en juillet, il y a le Zelda sur Switch, il y a Monster Hunter Stories 2 que j'ai vraiment hâte de tester aussi. Mais Crick, c'était l'année dernière, Crick. Tu triches, monsieur. Ouf. Je fais n'importe quoi là. Oh, c'est quoi ce petit coup que tu m'as fait, toi? C'est injuste, ça. Je réclame un peu de vie. Crix, c'était l'année dernière en fait. Bah, après, Crix, pareil, un de mes coups de cœur de l'année dernière. Hein. Vous allez me dire, c'est du Manita Design, donc tu triches un peu, mais pour le coup, je trouve que. Ils ont réussi à faire un jeu où on les attendait pas. Et ça marche. Et vraiment, ça marche. Dans le même genre, cette année, il y a Papetura là qui sort bientôt. Je sais pas si je vais en faire un test de Papetura. Mais en tout cas, le jeu m'intrigue pas mal aussi. Ouais. Ah, mais laissez-moi tranquille. Ah oui, évidemment. Merde, c'était pas début d'année. Alors, mais Crix, c'est sorti en 2020, quoi. S'il te plaît, là. Oh, je suis dégoûté. Oh non, mais je regrette. Oh non, là, par contre, c'est abusé, en fait. C'est abusé de devoir tout se refaire, en fait. Ah, là, c'est la punition. La punition est totale, là. Mais ouais, Crix, c'est formidable. Mais tu vois, 2020, il y a quand même eu des sacrés jeux, quoi. Il y a eu des sacrés bons jeux, et il y en a eu toute l'année. Et là, 2021, mais c'est la tristesse, vraiment. Moi, j'en flippe, quoi. Pendant un moment, je me suis dit, non, c'est moi qui suis aigri. Oh là là. C'est moi qui suis aigri, il n'y a rien qui me va, mais en fait, non, j'ai l'impression que. Il n'y a pas que moi qui me plains, en fait. Et en triple A, non, apparemment pas. À part. Bon, Returnal, je l'ai pris parce que vraiment, c'est vraiment la curiosité. Après, celui que j'attends en triple A, ben, j'avais Deathloop, mais bon, c'est raté. Ratchet en juin, il a l'air assez ouf. Non mais sérieux, je fais comment pour m'y. Oh, je fais les mêmes erreurs quoi, les mêmes erreurs de débile là. Alors, en 2021, il n'y a qu'un seul tactical qui est arrivé à terrible annotation, il s'avère pas terrible. Ah, il y a Disgaea 6 là qui sort. Je sais pas si c'est ta cam, mais. Alors, moi, les tacticals, c'est plus trop mon genre en fait. Merde. Je sais pas pourquoi ça m'attire plus trop en fait. Oh non, mais je me fais avoir dans tous les pièges.
Évidemment, je me suis fait croquer. Il faut que j'en finisse avec lui. Évidemment. Le plus vite possible. Voilà. Oh, parfait. Bon, lui, je vais pas tenter le diable. Qu'est-ce que tu as? Le 5, j'ai lâché à faire après 15 heures de jeu et un tuto pas fini. Le 4, pas le 5. D'accord, ok. Après, voilà, moi, je peux pas trop te conseiller parce que c'est... malheureusement... j'ai un peu lâché l'affaire hein, sur les tacticales. Il y avait quoi? Il y avait le tactical de Humble Bundle, là. Enfin, comment ça... Le truc avec les chiens, là. C'est raté, finalement, ça? En fait, j'utilise pas mon pouvoir là, qui permet de me machiner. Oh non. Ouais, ça Fight Tactics. Ça valait quoi ça finalement? Ah, j'en peux plus de ta gueule toi. Voilà. Ah. J'aimerais bien trouver un point de sauvegarde là. Ça serait cool en fait. Mais là, c'est gratuit en fait, tu te fais choper à tous les coups. Ah non, il faut que je me... D'accord. C'est l'éclat total. Non, c'est pas ça que je voulais faire, crétin. Ok, au moins j'ai sauvegardé. Ah! Aïe aïe aïe. Salut langage fleuri. J'avais bien aimé perso, de bonnes idées, mais pas mal de défauts quand même. Pas encore lancé le temps. Pas le temps pour les tacticals sur PC, ouais. Ouais, j'avais absolument pas suivi le destin de Fight Tactics. Non, je vais pas faire les greedy. C'est un coup à se faire avoir ça. Allez! Comment je passe là? En fait, je passe pas. Faut revenir en arrière, c'est ça? J'ai pas envie de revenir en arrière, j'ai pas envie de mourir. J'aimerais bien terminer ce niveau en fait.
Oh, point de sauvegarde. Magique. Est-ce qu'il y aurait pas un boss derrière? Oh, mais ça a l'air d'être bien la merde par ici. Aïe. D'accord, ok. Très bien. Ah, ça je dois pouvoir le casser plus tard avec un pouvoir, j'imagine. Ok. Non! Oh non, la punition! Évidemment. Alors, est-ce que je vais mourir cette fois-ci? Ouf, funky. Pourquoi es-tu aussi méchant avec moi, toi? Rochette! Oh non, mais vraiment, je me fais avoir comme un bleu là. Sauvegarde. Une petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Oh là là, je comprends pourquoi il y a une sauvegarde. C'est dommage qu'on puisse pas. Évidemment, on peut pas slider sous les trucs, hein, c'est dommage. Allez, allez. C'est tellement difficile. Allez, allez. En fait, il s'accroche inutilement au bord, et ça, c'est dommage. Allez! Ouh. Sauvegarde. Ouh. C'est Tandax, hein. Ah, d'accord, donc ça me protège pas ça. Je pensais que ça me protégeait le coup de la pierre là.
Ok, donc il y a juste un petit pattern. Rien d'insurmontable. Bon, en tout cas, je vais en avoir des ressources. Salut toi. T'as enfin réussi à sortir. J'aurais aimé que ça a pris plus de temps que je ne pensais. Mais quel culot, tu sais ce qu'on a traversé juste? Là c'est pour moi. Comment crois-tu que je sois arrivé jusqu'ici? Ah, bien vu encore que peut-être que tu es perdu nulle part comme la dernière fois. Mais c'est pas le sujet. Bon, que se passe-t-il ici? Je suis pour chasser l'un des meilleures créatures que j'imagine tu n'as pas pu louper et ça m'a mené ici. Je suis pas sûr de ce qui se trouve derrière, mais il semble que les créatures évitent cette salle en particulier. Je mettrai mon aile à couper que c'est à cause de cet étrange objet qui émet cette effroyable odeur. Il aide à repousser les petites créatures comme les grandes. Il pourrait peut-être nous être utile. Tu veux pas laisser cette odeur qui ressemble à celle d'un œuf mimosa qu'on aurait laissé dehors sur un soleil de plomb pendant 2 semaines? Celle-là même, ça me rappelle une erreur de jeunesse, tiens. On n'a pas eu la même enfance, toi et moi. Bon, je vais le casser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est lui, là. C'est une couronne ou quoi? Rien à part une sorte de mélasse. Et je m'en suis foutu partout. Ça va peut-être nous servir à nous protéger. Les créatures d'ici ont l'air vraiment révulsées par cette odeur. Tant qu'elles gardent leur distance, je suis bien d'accord. Quoi qu'il en soit, j'espère trouver une des runes d'Oma ici. Ces runes vont permettre de progresser au sein des 3 domaines. Tu peux sûrement t'aventurer plus loin que moi pour l'instant, alors pars devant et vois ce que tu peux en trouver. Je ne serai plus ici à ton retour, mais si tu mets la main sur une des runes ici, nul doute que nous nous reverrons. Je dois continuer à chercher comment venir en aide à mon peuple. Bon vent. Ok. Ah, les créatures, elles aiment pas. Elles aiment pas cette odeur pestilentielle. Par mes ailes, ça a marché. Si seulement on avait découvert ça plus tôt. Mais peu importe, à nous la rune d'Oma. Wow, regarde ça, on flotte dans les bulles, comme dans les bulles, on se dirige droit vers ce trou là-haut. Et voilà! Impeccable, et 300 de bonus. 3 millions de pommes, 0 sur 3. Non, on a été mauvais par contre. Hein. Gisement de Myrien 1 sur 2. Terre coteuse, recèle de nombreux secrets, évidemment. Commandant Tirmain, oui, votre seigneurie. Je suis au retour des collines Fortou avec la rune d'Oma en prime. Impressionnant votre verdâtreté. Avec cette rune d'Oma en votre possession, vos attaques sont maintenant des attaques Gourabi. Ceci vous permettra de fracasser les rochers Gourabi et les portes runiques Gourabi de niveau 1. Ah, cool. D'accord. En espérant que cette information vous soit utile, votre seigneurie. Ok, donc on va pouvoir aller piller les mondes les uns après les autres. D'accord, il en va de même pour les autres domaines, très bien. Et maintenant, on va tester ce nouveau pouvoir sur ces minuscules cailloux là-bas. Obtenir des runes d'Oma donne à Spelter de nouvelles puissantes attaques. En changeant d'éléments, Spelter peut briser différents types d'objets au sein des terres caoteuses. Et peut profiter de différents bonus. Les runes d'Oma supplémentaires rendront les attaques élémentaires de Spelter plus puissantes. Okay. Certains éléments sont plus ou moins efficaces contre d'autres éléments. Cela peut donner l'avantage aux attaques de Smelter à saisir contre les ennemis d'autres domaines. D'accord. Donc là par exemple. Comment on switch d'attaque? Utilise la nouvelle attaque de Gourabi de Smelter pour tirer sur ses rochers et les briser. Quelle force incroyable! Incommensurable votre scénarii! Si vous avez la méditation de vous débarrasser de la porte runique Gourabi là-bas, je pourrais préparer nos forces à avancer plus loin dans le domaine Gourabi. Très bien. Ah oui, puis ça me donne les ressources en plus. Plutôt cool. Est-ce que je peux m'étendre? Non, je peux pas m'étendre là en fait. Hein.
Ouais, on va finir ça, hein. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là après. On va se quitter là. Parce qu'on aura déjà vu pas mal de choses, hein. Une forge Gorabi, arbre de capacité. Ah, cool. Point ardent, charge et relâche pour exécuter un coup de poing dévastateur. Charge tennis pour envoyer une vague de rochers sur les ennemis en face. Ok. Ah, c'est cool ça. Ça, je veux ça. Continuer. Comment je forge? C'est forgé, ça y est? Ouais, ça doit être forgé, je pense. Bon, bah, on a vu en tout cas pas mal du jeu. Et moi, ça me plaît pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le mélange fonctionne bien. Donc, c'est assez chouette. En plus, le pixel art est mignon. La partie 2D fonctionne. Il y a du challenge, hein, vraiment. Pour ceux qui veulent, il y a du challenge. Ouais, c'est une belle petite découverte. Le jeu est sorti vendredi sur Steam. Et je crois qu'il est sorti sur Switch aussi, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est un jeu vraiment, vraiment très sympathique. À venir, cette semaine sur Factor, je sais pas si on a grand chose au niveau des articles. On a publié Don't Forget Me dimanche, et je crois que cette semaine ça va être un peu tout au niveau des articles. Mais on va se retrouver la semaine prochaine avec, je pense que dans le courant de la semaine je ferai mon retour sur Returnal. Et puis mardi vous aurez un stream un peu différent, puisque je vais pas streamer des nouvelles sorties mais des nouvelles démos, puisqu'il y a des démos qui sortent, qui sont sorties ou qui vont sortir incessamment sur Steam. Que j'ai envie de vous montrer, donc ça sera 3 démos, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Donc ce sera un petit stream découverte, et puis après on reviendra au stream classique. Mais là voilà, je voulais faire le point sur 3 nouvelles sorties de jeu, enfin 3 nouvelles sorties de démos plus exactement. Donc voilà ce qui vous attendra la semaine prochaine. Et puis je vous rappelle aussi que si vous aimez la chaîne, vous pouvez voir ou revoir toutes nos émissions sur YouTube. Vous avez des centaines d'heures vraiment, hein, de replay à disposition, puisqu'on a fait plus de 100 émissions depuis la création de ce format. Donc vraiment, je vous invite à aller sur YouTube et puis à nous rejoindre sur Discord, hein, si vous voulez venir discuter avec nous. Si vous voulez me proposer des streams, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord, ou vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter, @FactorNews. Pour me dire, tiens, si vous souhaiteriez que je découvre tel ou tel jeu, n'hésitez pas. Je le ferai dans la mesure du possible. Voilà. Mais écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était Smelter. C'était un bon petit jeu bien sympathique. Nous, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Pour ceux qui vont recevoir Returnal vendredi, ben je vous souhaite bon jeu d'avance. Et puis, n'oubliez pas, on se retrouvera très probablement vendredi soir pour un stream impromptu sur PS5 sur le jeu. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine encore une fois. Et puis, je vous dis ben, à très vite sur Factor pour de nouvelles découvertes. Ciao, ciao!